interrogé, candidat du PDCI-RDA aux élections municipales à Abobo, et Koulibaly Mamadou, président du Parti pour l'intégration africaine, en abrégé PIA, ont décidé désormais de se mettre ensemble pour reconquérir la commune d'Abobo. Ces deux hommes l'ont annoncé publiquement au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu ce lundi 26 juin 2023 en présence du personnel politique du PDCI-RDA d'Abobo et des autres partis politiques de l'opposition tels que le PPACI et le GPS. En homme expérimenté, Kone Gogé connaît mieux les réalités que traversent les populations d'Abobo. Et c'est ensemble qu'ils pourront reconquérir cette commune. C'est l'homme qu'il faut pour la situation d'Abobo actuelle. Oui, je suis pétri d'expérience et de sagesse. Et depuis 70, j'habite Abobo. Je connais les coins et les recoins d'Abobo. Je connais les besoins réels d'Abobo. Je mets au défi ceux qui sont là actuellement de nous produire le même bilan. Vous avez oublié un aspect qui est important. On ne pouvait pas aller au marché d'Abobo. Nos femmes allaient en porte. Et vous aviez au bord de la route des gens qui viennent vous laver les pieds quand vous sortez d'Abobo, du marché d'Abobo. C'est moi, c'est mon administration qui a mis de l'ordre sur ce marché. Aujourd'hui, on peut aller revenir. Alors, nous voulons être à nouveau au service d'Abobo. Et nous ne voulons pas le faire tout seul. Pour Koulibaly Mamadou, président du Parti pour l'intégration africaine, Kone Gogé est l'homme idéal et le candidat de l'opposition à Abobo. Il appelle les autres partis politiques à s'unir autour de sa candidature. Je suis ici pour annoncer notre soutien et moralement à M. Kone Gogé, ancien maire de la commune d'Abobo et candidat officiel du PDCI-RDA pour une liste commune à l'élection municipale du 2 septembre 2023 dans la commune d'Abobo. L'ancrage territorial de notre parti à Abobo est un atout majeur pour contribuer à la victoire de la liste conduite par le maire Kone Gogé, qui est un homme qui a un sens élevé du devoir et une bonne opinion du service public. Nous sommes à un tournant décisif de la vie de notre commune, où nous devons choisir un leader qui incarne nos aspirations. Le maire Kone Gogé est cet homme-là. Il possède une expérience solide et une vision claire pour le développement de notre commune. En tant que fils d'Abobo, je suis convaincu que le maire Kone Gogé est un leader visionnaire qui mettra en œuvre des politiques inclusives et équitables pour tous les habitants d'Abobo, sans distinction de leur origine, de leur religion ou de leur statut social. S'engage à écouter les préoccupations de chacun et de travailler en étroite collaboration avec les communautés locales pour trouver des solutions durables. Aux candidats issus des partis politiques et aux candidats indépendants, le moment est venu de mettre de côté nos différences et de nous unir autour du maire Kone Gogé, qui est le candidat de l'opposition le mieux outillé pour remporter les élections à Abobo. Plusieurs échanges ont meublé cette rencontre. Oh,